notre pays. Nous tous connaissons la conjoncture, l'actualité occupée par une question référendum. Référendum qui est en forme de consultation populaire que l'autorité dans l'État est capable de demander au peuple là qui ça pense sur tel sujet qui est d'actualité ou qui a des cadre intérieur. L'ordre démocratique dit que le référendum, ça, c'est un référendum qui est préparé pendant un bon bout de temps par l'autorité qui a dirigé le pays. Ils ont préparé pour créer un climat la paix, la pérèse dans tout le pays qui décapitalise la famille, diaspora, investisseurs, artistes, socio-professionnels, comme avocats, médecins, classe monde qui est censé effondrer dans le moment que nous parlons. C'est un référendum préparé sous prix 100. 100 monde Bel Air, 100 monde Cité Soleil, 100 monde Grand Ravine, 100 monde La Saline, 100 professeur Dorval, 100 Saint-Hilaire, et qui c'est Grégory Saint-Hilaire. Ils ont préparé sous Saint-Hilaire dans la route nationale numéro 8 là. Lorsque vous avez mis des bandits, qui sont jeunes garçons, jeunes filles, vous avez mis des armes dans les mains pour tirer sur la population. L'ordre démocratique, quoi, que la constitution, ça, que vous voulez fouiller dans la population, c'est une constitution qui nous qualifie de constitution malais. Même j'en ai dit, référendum, non, c'est un référendum malais. Je dis rapidement quelques points que l'ordre démocratique soulignait. Non, constitution ça que vous voulez la guerre dans vos gènes comme la Sini. Non, article 28 constitution, il retire la liberté individuelle que nous avons gagné dans les articles 24 et suivants de la constitution de 1987. Qui dit l'arrêté ou qu'un droit paraît devant mon doyen pour doyen connaît est-ce que arrestation ou détention illégale ou illégale. Constitution, ça a la guerre en évasion parce que volonté a c'est retirer la liberté. Ça. Constitution, ça a crasé, ça a eu le CSPJ, qui est le principal garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Monsieur Dame qui a rédigé la Constitution, il a dit c'est le président de la République là qui est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, ça qui campait en quoi devant le principe de la séparation des pouvoirs. La donne, dans le CSPJA, n'a pas retiré la présentation du juge de paix. Il a retiré le juge de paix qui représente plus que 140 juridictions en dans le CSPJA parce que nous avons fait des autres pays là-dedans. Nous, il y a seulement deux mots qui apparaissent neutres dans le CSPJA, qui se représentent en droit mounio. Malheureusement, qui a choisi par une autorité qui est nommée par le président de la République, et les gens qui ont bâtonné, désigné. Dans ce sens, CSPJ a crasé, pas d'indépendance justice encore, avec la constitution 1900, considérant que M. Damsayo voulait nous. L'ordre démocratique, oui, que M. dit que c'est le président de la République là, qui va veiller à l'exécution des décisions de justice. Ça veut dire. Si on a un problème avec le président républicain, le ne pas le président, je ne connais pas, ce n'est pas un qui l'a. Parce que pas rien de dire qui l'a eu président encore. Mais n'a pas parlé de président et danger que EFSA lui-même lui offre. Il dit, c'est, si on a un terre au volet, c'est le président républicain qui a veillé à l'exécution de cette décision de justice. Ça veut dire yo, la justice qui a dit, il n'y a pas terre. Mais le président dit ou pas qui était. J'en ai arrêté à Berson Gounek, par exemple, un policier. Il n'y a pas parlé devant le juge. Il y a voyé le tribunal. Eh bien, la justice doit dire libérer à Berson Gounek. Mais c'est le président républicain qui a dit est-ce qu'elle doit libérer ou bien est-ce qu'elle ne doit pas libérer. Donc c'est saper, et saper question droit à la justice et liberté individuelle. Donc on est la bataille en pile pour question famille. Dans la constitution, c'est l'article 21. Il parlait de la famille, non premier membre de phrase, les familles, non l'autre membre de phrase. Comme nous connaissons ça, comment orienter la vie, nous-mêmes comme population, nous allons chercher qui est la définition de la famille,
qui sa définition les familles, il a parlé dans l'article 20. Il y a un petit métal qui fait dans l'article 440 là, côté président de la République là, qui a prêté serment devant n'importe juge de première instance. Comment ça qu'on fait? C'est devant l'Assemblée nationale là, il a retiré. Il a dit qu'il cale devant la Cour de cassation ou n'importe juge de première instance. Ça veut dire, président qui doit décider, il va prêter serment au coteau. Parce que c'est une élection champouelle mafioso et que la Cour de cassation ne peut pas recevoir prestation de serment. Et ça, c'est en réponse avec CEP malfagoté et illégal que vous mettez pour venir faire référendum à la Constitution. Nous parlons de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle que le président met sous lui. Comment dire, la Cour constitutionnelle de tout le pays, c'est lui qui dit qu'il est. Yon norme, yon décision légale, constitutionnelle ou pas. Ça a des gros instances que lui. Qui ça yon fait? Yon dit que la constitutionnelle là, il est composé de 9 membres. 3 membres choisis par l'exécutif, 3 membres choisis par le législatif, 3 membres choisis par le président de la Cour de cassation, ne pas dire CSPJ ni pouvoir judiciaire. Nous même qui là qui journaliste et mon capitaine nous avons compris. Le président de la République, c'est lui qui nomme les juges à la Cour de cassation. C'est le président qui nomme le président de la Cour de cassation. Il y a un monde qu'on nomme, c'est un monde qui a redevance envers lui. Maintenant, il dit 3 membres pour exécutif, 3 membres par le président de la Cour de cassation. Ça veut dire dans 9 membres que la Cour constitutionnelle a gagné, président de la République là, a gagné 6 membres en la gang. Et puis tout pays a pris plongé dans l'instabilité parce que l'institution l'y penché. Pour constituer, ça relève la haute cour de justice. C'est la pire haute instance politique qu'il a pour le juger les gens qui a fait politique, qui a fait des autres dans le pays. Le ministre qui a volé, président qui a monté gang, avec jeune garçon, jeune fille, le président qui a tué les gens qui sont dans gang, qui dit qu'il a parlé. Tout ça que ça y est, doit paraître devant la haute cour de justice. Comment ils ont constitué pour la haute cour de justice? Ils ont dit qu'il y a 15 membres là-dedans. 15 membres là-dedans, 9 qui ont sorti dans la cour constitutionnelle là, et il y a 6 qui ont sorti dans la cour de cassation. Dans 6 cours de cassation, un président de la cour de cassation doit là-dedans. Tenez bien. Ils ont dit 9 membres qui ont sorti dans la cour constitutionnelle là. 9 membres pour le conseil de songer à l'heure de dire nous, président parti avec 6 membres déjà dans le cour constitutionnel là. Maintenant, il y a 6 là, il y a 9 qui peuvent aller au niveau de la haute cour de justice, plus les gagnants, 6 juges qui ont sorti dans la cour de cassation. Dans 6 là, il y a président cour de cassation là-dedans. Même lorsque 5 l'autre juge qui a sorti dans la cour de cassation pas à voter, pour destituer le président pour vol, la corruption, dans manger propre pays à mal, eh bien, le président cela étant bloqué, ça crée le coup de cassation pour la haute cour de justice là, parce que les décisions au niveau de la haute cour de justice, c'est 2/3 des membres qui doivent prendre. 2/3 des membres veut dire, il faut qu'il y ait 10 personnes dans la haute cour de justice là qui dit président volé, il y a destitué le ministre Blanchard, il y a destitué le secrétaire d'État, ils sont mimi, il y a destitué. 10 personnes ça, prennent des difficultés pour joindre parce que vous constituez le même une façon pour protéger la tête pour capable continuer à piller et voler le pays. La constitution que vous voulez fouer dans la gauche, nous, elle continue à protéger les voyous dans le pays. Parce qu'elle dit, il n'y a pas de modèle encore. Même Jean Sacté l'a dit, pour être député, vous n'avez pas besoin à l'école faire effort. Pour être député, il suffit de n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. Il répète pour le protéger mon nio, pour le dire, ou te mettre volé, ou te mettre un escroc, ou te mettre petit ou pas occupé, ou capable d'être député en un pays, même un ministre. C'est ça la constitution, M. Damio, lui-même le prévoit. Dans l'article 139, là, M. Abaïté, le président Abaïté a une immunité générale. Et puis il ferme. Il dit, il n'y a pas qu'à poursuivre le président pour acte poser dans le cas d'attribution. Le président,
Il suffit que je me dise, j'ordonne de tuer un tel en ma qualité de président, puisque c'est en ma qualité de président, il n'y a pas qu'elle doit poursuivre moi la justice. Et il dit, question prescription, ça veut dire délai pour pas qu'elle poursuivre mon nom. La fermée après 10 ans, pendant que nous connaissons ici, j'en ai ici de les mecs qui ont le pouvoir. Ils ont battu pour qu'ils aient le pouvoir pour 10 ans, justement pour capable de gagner sans arriver impunité. Non, constitution ça, monsieur Damien légalisé à Nîmes, que nous tout avons en moins pour lui. C'est dans l'article 146, côté on dit qu'il y a un directeur général de renseignement dans le décret à Nîmes, et bien constitution ça a dit que lui légalisé à Nîmes, qui c'est encore. Anian c'est encore gang, mais on gang d'État, qu'on par contre qui est-ce qui la gang? Est-ce que c'est mon qui a une bonne vie et mœurs? Est-ce que c'est pas bandit qui a mis en bas, ça a les bails qu'on mette dans la vie qui m'a mis en Kaboul? Est-ce que c'est pas bandit qui a légalisé? Parce que le pays a par contre qui est dans Anian. Il a légalisé en la constitution 1900 et la constitution monsieur, monsieur Damio, il a voulu bail là. Nous avons fini pour nous dire. Il y a un petit surtout qui fait à Frère Axon qui est dans la diaspora. Il dit à Frère Axon qu'il n'y a pas le droit de vote. Les amis dans la diaspora, nous connaissons, nous faisons un pile crédit. Nous faisons un pile crédit. Et nous tentons. Pas de monde qui est capable de venir président d'Haïti là, je dis, pour ne pas avoir trois diasporas gagnées pour venir voter. Pas de monde qui est président aujourd'hui. Pour le Kébé diaspora, non distance encore dans les affaires politiques pays. Yo dit ou ça y a pas où, mais yo pas dit qui va aller au grand. Là, c'est gargote qui fait avec nous, et même lorsque tu es droit, tu dois passer en papier. Zami dans la diaspora, jeunesse pays, femme yo, nous devons voyager, garder cette notre constitution ça. Parce que son constitution débauche, constitution désordre, qui veut finir avec sa solidarité comme reste pays. L'autre démocratique a lancé un appel. Il a un appel à tous ses sympathisants et partisans. En Haïti, comme nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, à tout pasteur, à tout fidèle protestant, à tout prêtre, monseigneur catholique et fidèle catholique, papa et maman petite de manière générale. L'autre démocratique a adressé à la jeunesse là. Jeunesse universitaire en particulier. Poundin, vaudouisant, n'a pas la franc-maçon. Poundin, pas mêlé, non, kakok des autres ça que M. Damio a planifié. Moi-même, Jean-Bonnier Zelatus, qui est avocat, qui était petit Boniface Alexandre, président de la, président de la République, qui s'est décanté la caïman comme modèle, moi, pas retrouvé le dans ça. Et par contre, il s'est entré dans ça. Général Abraham, je suis de très près discours, je étudie discours. Je ne pas retrouver Général Abraham dans ce qu'a fait là. Parce que si tu calcules ça, c'est une instabilité dans le pays. Pas mêlé. Pas mêlé parce que la forme, constitution ça, pas suivre trace que la constitution qui peut passer là, tracé pour te respecter. Pas mêlé. Parce que les gens qui ont organisé le référendum malais, ils ne sont pas légitimes, ils ne sont pas légaux, ils ne sont pas prêtés serment constitutionnel là. Pas mêlé, parce que bec à bec qui ont organisé le référendum, non, ils ne sont pas prêtés serment ni devant le tribunal de paix, ni devant le tribunal de première instance. Population, tu as reconnu Thomas Sankara dit. Les peuples conscients assument eux-mêmes la défense de leur patrie. Les peuples conscients assument eux-mêmes la défense de leur patrie. Par conséquent, nous tous dans la zone, côté de l'été, en dans section communale, dans le département, en dans le pays de manière générale, quel que soit le moyen que nous sommes capables de faire pour nous bloquer l'obéissance, pour ne pas quitter le pays, tomber dans le cadre de Bombéa. En nouvelle. Mon ordre là, c'est en été avec Jekale, pendant que nous avons pris le temps de regarder est-ce qu'il y a bien grain vraiment pour arriver côté où vous voulez arriver à pays. Merci beaucoup.
Maintenant, je vous mets disponible pour questions, toutefois, des questions. Au canal. Action. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous remercions tout le monde qui fait déplacement. Je viens vous dire, attendez, ça a l'ordre démocratique, bien vous dit, la conjoncture politique actuelle que le pays a traversé et sous question de trêve, qui n'a plus une insécurité qu'à balayer l'État. Si on plaisir, au moins invité, président de l'ordre démocratique, sénateur Jean-Renel, sénatrice, pour prendre la parole.